Les gens, je retrouve une nouvelle vidéo avec Carias de Belgique. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer un truc que j'ai fait qui est vraiment magnifique. Mon serveur RP PS3. Donc il y a beaucoup de gens qui rêvent de jouer RP, qui regardent les vidéos du Pro Mix, de Nabil Aïkulik Larèche. Je sais pas si je le dis bien. Bref, ils rêvent d'y jouer. Ils sont vraiment... Il voudrait énormément y jouer. Il serait vraiment très 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 content d'y jouer. Et aujourd'hui, je vais essayer de réaliser leur rêve. Je suis en train de créer un serveur RP que j'ai pas encore terminé. Donc ça, c'est mon serveur RP. Je n'ai pas encore terminé. Donc ok, donc on va placer et je vais vous montrer. Donc, on commence avec les champs. Bon, là c'est drogue, là c'est de la drogue. Ok, attendez, on va commencer tout simplement par le départ en fait. Bien, on commence. Donc ici c'est le champ de mine, c'est ici où il y a la mine, où il y a les mines et tout. Donc ici c'est le champ de mine, il est ici. Ça c'est pour revendre les tout ce qui est mine et tout, c'est pour tout revendre, c'est ici. Ici pour tout revendre. Ici c'est, j'ai mis des points d'activation quand on se rappelle c'est où. Et là, comme vous pouvez voir, ces signes là, ces deux signes là, donc ça plus un panneau, il y avait un panneau, ça plus un panneau, il est où, il est où le panneau? Ah voilà, ça plus ce panneau là, ça veut dire que c'est là où on prend la drogue. Donc là où on va essayer de récolter la drogue. C'est bien sûr du RP, donc je vais vous montrer. C'est là où on récolte la drogue. Vous voyez, là je vais juste essayer de... Voilà. J'ai sponsor un truc. Voilà, c'est ici quand vous avez trouvé ça et ça, ça veut dire que c'est ici qu'on récolte la drogue. Donc ce serveur sera ouvert très bientôt quand je l'aurai terminé. Je dis il sera ouvert à tous, vraiment à tous. Je dois même, là ça coûte même pas, je dois même, non mais c'est quand même l'âge moins de 7 ans, j'accepte pas, enfin si j'accepte, mais il faut quand même faire un petit test pour voir si vous êtes vraiment RP. Moi personnellement je suis vraiment RP, je vous fais aussi, je vais vous lancer une série RP, RP avec des gens des fois quand ce serveur sera terminé, mais aussi un autre RP, un RP où les gens ne seront pas là. Donc là, excusez-moi, je joue avec une manette qui fait beaucoup de bruit. C'est ma manette PS3. Normalement je joue avec ma noire, mais normalement je joue avec ma noire. Avec ma noire, mais je joue avec celle-là. Avec celle-là, mais moi je joue avec celle-là. Vu que celle-là, elle a un peu des bugs. Celle-là, elle fait beaucoup de bruit, c'est un peu comme la manette de PS4. Alors. Donc. Ici. C'est le point de récolte de la drogue. Ensuite. Le point de revente. Je vais vous montrer. De revendre de la drogue, donc par drogue vous pouvez gagner jusqu'à 5 000 euros, 5 000 dollars, ou comment je vais faire maintenant, ah voilà, vous pouvez gagner jusqu'à 5 000 dollars. Alors ici là c'est les... après je vais vous montrer le point de regard. Là c'est pour les éboueurs. Regardez, les boards vont venir ici, puisque c'est un métier, vous devrez aller au Pôle emploi. Ça, j'ai pas encore fait le Pôle emploi, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo, parce que ça, c'est la partie 1, présentation. Ensuite, ils devront venir ici, jusqu'à la benne à ordures, qui est juste là-bas. Si je me rappelle bien,
Donc ici, c'est là où on va récolter, c'est là où on va acheter la drogue. Donc là, il faut juste que j'enlève ça. Donc là, c'est le point de revente. Pour la revente, c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Vous voyez ça? Ça, toujours, il y aura toujours ça. Et juste à côté, il y aura ça. Le petit panneau avec un bus découpé en deux. C'est comme ça que vous devrez rentrer à l'intérieur et récolter la drogue. Si là, les flics ne vous arrêtent pas, bah vous pouvez gagner jusqu'à 15 000 euros, 50 000, 5 000 euros. Mais normalement, on gagne jusqu'à 5 000 euros. Donc, oups, 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 j'ai passé une zone d'activation juste ici. Donc là, on va remettre la zone d'activation à sa place. La zone d'activation. Let's go. En fait, il y a eu un petit bug. Donc, dans la caméra. Donc, on était où? Ah oui, je devais remettre la zone d'activation. Elle est juste là-bas. Tout ce qui est énervant, c'est qu'on peut pas rentrer dans le commissariat tout. J'avais fait hier j'avais voulu faire un serveur RP, mais extermination. Ça donnait assez bien, mais c'était. On pouvait aussi rentrer dans les trucs, dans les magasins et tout. On pouvait rentrer dans tout, dans le commissariat, dans le FBI, mais j'ai préféré utiliser. Parce que ici, il y a plus d'options dans. Parce que là, je fais éditeur d'affrontement. Pour ceux qui veulent créer un serveur RP, de faire un affrontement. D'écrire votre serveur RP sur affrontement. Alors, ici placé, donc. On va enlever ça. Alors, ici c'était pour là où il y a les éboueurs qui vont arriver. Donc là c'est les mines. Je vais en changer de sujet parce que voilà. Là c'est les mines. Les belles mines. Donc le joueur devra venir ici. Et récolter, prendre un camion en mine. Partir. Hop. Je sais pas le chemin qu'il doit prendre. Par contre là j'ai fait une gaffe. C'est pareil, il part par les escaliers, on va dire. Puis il part ici. Oh, j'ai encore oublié, j'avais mis où encore ça? Faut que je retrouve. Parce qu'après, je vais faire une map. Une map pour tous les joueurs qui seront dans ce serveur. Je vais faire une map et ils pourront y accéder. Donc là, c'est le commissariat. C'est pour vous dire. On change de sujet. Commissariat avec des internauts ici. Ça c'est pour les cas extrêmes. Apparemment quand je dis cas extrême, c'est cas extrême. Là j'ai eu l'idée de. J'ai eu l'idée. Donc on va rajouter. Ah non. Ok, donc on va mettre ici. On va supprimer un véhicule. Deux véhicules, on va dire. Véhicule. Véhicule de. Hélicoptère, j'avais pris celui-là. Voilà, ici il y a une zone pour l'hélicoptère. Oh non, ça sert à rien de le mettre là. On va plutôt le placer quelque part ici. Et les joueurs sont bien sûr interdits de les utiliser parce que c'est vraiment du RP. Donc s'ils les utilisent dans la vraie vie, vous n'allez pas voir un hélicoptère et vous allez monter dessus. S'ils l'utilisent, c'est direct ban, hein, directement. On n'a même pas à discuter. Ban directement. Donc c'est un serveur RP ouvert à tous, vous pouvez postuler dans les commentaires. Juste vous mettez votre âge, votre travail que vous voulez faire et je vous mettrai dans la liste. C'est bien sûr maximum 16 par session, donc je vous ferai tous les week-ends des sessions. Tous les week-ends des sessions de 3 heures, donc si vous voulez jouer 3 heures. Des sessions 3 heures, donc si vous voulez tout jouer 3 heures à chaque fois, 3 heures, 3 heures. Le samedi, le dimanche. C'est 3 heures. Et voilà. Donc là, ça a l'air d'être sympa pour faire des mines. Ouais. Ah ouais, ici, il y a mon garage en plus. Bref, donc je vous ai juste dit que j'ai créé mon serveur RP. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, postuler dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode de ma présentation. Bye les potos.